D'abord, c'est un sommet important, très important pour nous tous. Le Maroc reconnaît son importance, mais il faut dire que la présence de cette entité au sommet serait un encouragement, un encouragement européen au séparatisme que la communauté internationale tout entière doit combattre afin de préserver et et prévenir la dislocation des États-nations. Merci. La position française est claire, elle est constante, elle est constamment réaffirmée. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons, vous l'avez dit, monsieur le chef du gouvernement, nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour constituer une solution négociée. Nous l'affirmons. Nous sommes clairs sur ce sujet et le Maroc sait pouvoir compter sur la clarté et la cohérence de notre position. La France a également pris un certain nombre d'initiatives à l'égard des pays d'origine de ces flux migratoires, à l'égard des pays par lesquels transitent ces flux migratoires, de façon à essayer d'améliorer la situation. J'exprime ici des termes qui sont marqués par une humilité que vous comprendrez, car le phénomène est redoutablement complexe et puissant, mais nous sommes engagés dans cette direction, entre la présence militaire française au Sahel et cet engagement fort et ancien, les initiatives diplomatiques prises par la France et les mesures décidées par le gouvernement français dans le cadre du plan qui a été évoqué à Paris dans le courant de l'année, je pense que vous pouvez avoir des éléments précis de réponse. J'espère que l'ensemble de ceux qui s'intéressent à la Libye pourront converger avec nous vers ces solutions. Thank you.